Et moi, il y a des montagnes là-bas au fond. C'est un délire. Ah, c'est beau, sa mère. Aujourd'hui, on part à la poste. Je vous embarque avec moi cette petite matinée. On part à la poste envoyer des petites lettres en suivi. Parce que j'ai commencé à créer le eBay et à mettre pas mal de cartes. Donc pourquoi je vous fais pas du tout de pub sur le eBay? Parce que les cartes, je les mets un petit peu plus cher que sur le groupe ou que sur la chaîne YouTube. Donc j'ai pas envie de vous faire de la pub sur le eBay parce que à vous, je vous vends directement les cartes beaucoup moins chères. Et voilà, et on part à la poste direct, envoyer ça. Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cet après-midi, on va aller à Carrefour directement. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement les packs Noël qui vont sortir comme chaque année. Il y a d'autres collègues et abonnés qui m'ont dit qu'ils ont été dans leur Carrefour, ils ont trouvé les packs Noël. Vous savez, les gros packs à l'intérieur, on avait un deck de structure, plus pas mal de boosters. C'était des packs à 20 €, ça vaut largement le coup. C'est des packs en moyenne, le contenu vaut 30, 35 € voire 40 € à l'intérieur avec des packs et des boosters de jouets. Donc ça vaut le coup. Là, je suis à Perpignan dans le sud de la France, voir directement si on peut choper, dénicher des bonnes petites choses. Donc voilà, cet après-midi ou alors demain, je compte faire une petite FAQ. Donc si vous voulez, si vous avez des questions à me poser vis-à-vis de la chaîne ou de moi-même, etc., n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je les utiliserai et je vous répondrai directement dans la vidéo de demain. Donc s'il y a des abonnés dans le sud-ouest de la France, en ce moment je suis à Perpignan, donc n'hésitez pas à me le faire savoir directement en message privé sur Facebook ou alors dans les commentaires. Et il y a moyen qu'on se fait une petite journée rencontre ou alors essayer de dénicher une petite salle pour essayer de se faire des petits tournois. Donc en ce moment, je fais un petit peu de pub pour des youtubeurs, j'ai déjà fait de la pub. Donc on m'a posé une question, est-ce que c'était possible de faire de la pub pour ma chaîne YouTube? Il faut savoir que je fais régulièrement de la pub et en fait je suis vraiment à l'instinct, c'est pas les youtubeurs qui me demandent directement de refaire de la pub, c'est moi, je regarde un petit peu leur chaîne YouTube et si je trouve ça sympa, ben, j'hésite pas à faire de la publicité pour des youtubeurs plus petits. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'étais aussi, il y a de ça un an, 2 ans, ouais, 2 ans en arrière, quand j'avais 100 d'abonnés, j'aurais kiffé et aimé qu'on puisse promouvoir un petit peu ma chaîne YouTube, chose que je n'ai pas eu, même si je dis pas, mais Yugimuto91 m'a beaucoup aidé sur le contenu de ma chaîne, comment m'organiser, etc. C'est pour ça qu'on a une petite complicité aussi sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que de temps en temps, on s'entraide mutuellement. C'est un YouTuber qui m'a aidé à mes débuts. Et du coup, je me dis, ça peut être sympa d'aider des différents YouTubeurs Yu-Gi-Oh! Aléatoires. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc tant qu'à faire, maintenant que je suis à Perpignan, j'aimerais savoir s'il y a des magasins spécialisés dans les jeux de cartes de tout genre, ou alors spécialisés que dans Yu-Gi-Oh!, chose que je ne pense pas, ou alors tout simplement une association où vous faites régulièrement vos tournois de cartes. Je ne connais pas du tout la région, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra se rencontrer et faire peut-être un petit événement, et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas organiser directement une association à Perpignan ou dans les alentours, ce qui peut être pas mal. Oui, je sais, j'étais à Bruxelles, j'étais à Lille, à Paris, mais non, je suis dans le sud de la France, donc c'est plutôt sympa de bouger un petit peu partout en France. Même la bouffe, moi qui adore bien manger, c'est vrai que dans les différentes régions entre Bruxelles, l'Espagne, etc., au niveau de la bouffe, c'est juste génial de découvrir différentes cultures tout simplement. Et là, c'est vrai qu'à Perpignan, il fait super beau, regardez. Il y a même des petites clémentines derrière moi. Si c'est pas magnifique tout ça, le ciel, il est bleu, mais H24, ouais, ça me change énormément du nord de la France. Et c'est vrai que c'est... Bah, t'as plus facilement le sourire quand tu te réveilles, que t'as un putain de ciel bleu avec un gros soleil. Ça fait vraiment plaisir. Nouvelle aussi, il y a Yu-Gi-Oh! Duel Links qui vient de sortir sur Steam. Donc ça change de Yu-Gi-Oh! Duel Links sur téléphone. Ça change, oui, non, le jeu reste pareil. Mais la différence, c'est qu'on peut enfin rajouter énormément de contacts. On était bloqué sur Duel Links sur téléphone au niveau du nombre de contacts. Contrairement à Steam, vous pouvez ajouter énormément de personnes et c'est beaucoup plus simple de se faire des petits duels. Donc cet après-midi, je vous ferai peut-être une petite vidéo tuto comment installer Steam pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Vous pouvez même utiliser votre compte sur votre téléphone, directement le synchroniser sur Steam pour garder votre compte et pas devoir tout recommencer à zéro. Donc voilà, on va directement aller à Carrefour pour voir si on peut choper des trucs sympas et on se retrouve tout à l'heure.
Et ouais, on regarde directement la finale des YCS de Prague. Donc n'hésitez pas à la regarder aussi sur YouTube, c'est en ligne. C'est sur la chaîne YouTube Yu-Gi-Oh! TCG Europe. Vous pouvez regarder tous les matchs directement, gratuitement, sur leur chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bon, bien sûr, c'est en anglais, mais les moves sont assez simples à analyser. Pas besoin de parler anglais pour comprendre le match-up. Donc maintenant, on part directement à Carrefour, voir si on peut choper ces packs Noël. On se dit à tout à l'heure. Yo. Heureux, donc du coup, je viens de revenir un instant de Carrefour et il y avait exactement des petits jouets Yu-Gi-Oh! Donc des jouets, des petites figurines de collection encore sur blister. J'ai l'impression que c'est assez vieux, il y avait beaucoup de poussière sur les boîtes, etc. Il y en avait pas mal, genre peut-être une cinquantaine de jouets. Il y avait deux gammes différents, il y avait même un disque de duel. Donc c'était un petit Carrefour, un Carrefour Market. Dans les alentours de Perpignan, donc un petit peu perdu, donc ça peut valoir le coup, je connais pas du tout, les prix sont sur les boîtes, là je vous les montre directement en photo. S'il y a des connaisseurs, dites-moi si ça vaut quelque chose, si ça a une valeur, et peut-être que j'irai en dénicher quelques-uns. Je sais qu'après Noël, il y a les soldes qui vont arriver, donc si je peux les choper à moins 50%, ça peut être génial, et je trouve ça plutôt sympa de les garder directement sur blister. Pourquoi pas commencer une petite collection, il doit y avoir... Il y a deux gammes, il y a une gamme, je crois que c'était 17€ ou 18,50€, une gamme un petit peu moins chère. Les disques du duel, malheureusement, j'ai pas pu trouver les packs Carrefour comme on a eu l'année passée. Mais dans tous les cas, on va faire les différents Carrefour de la région pour essayer de voir si on peut dénicher d'autres produits. Je trouve ça plutôt sympa quand même, ces petits jouets sous blister. Et sur ce, bah, nous, on se dit à ce soir. Ce soir, je vais faire une petite démo pour les gens qui ne connaissent pas du tout Steam, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir comment installer directement Duel Links sur ordinateur. Donc voilà, sur ce, on se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.